Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Medion TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Alors, au menu, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième journée de l'Europa League qui a vécu. Nous parlons également de la Ligue des champions africaines avec les demi-finales des matchs retour qui seront disputés ce week-end entre le Wydad du Casablanca qui reçoit l'USM Alger. Samedi et dimanche, Al Ahly fera face à l'Étoile sportive du Sahel. La troisième journée de l'Europa League a vécu. Et pour parler de cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Morba Signan, journaliste sportif, secrétaire adjoint de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Morba Signan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Charles. Le plaisir est pour moi. L'Olympique de Marseille a décroché sa deuxième victoire de la compétition en s'imposant 2-1 face à Victoria Guimarães. Marseille prend alors la deuxième place du groupe I avec 6 points. Une bonne opération pour le club phocéen. C'est une bonne opération pour l'OM qui, avec cette deuxième place, synonyme actuellement de qualification pour le prochain tour de l'Europa League, occupe déjà cette deuxième place, mais aussi cette victoire-là permet à l'OM de mieux préparer le Classico face au Paris Saint-Germain ce dimanche en championnat. Donc, c'est une suite logique des résultats de l'OM malgré le match nul enregistré en championnat le week-end contre Strasbourg, 3-3. Mais aussi, ça montre que l'équipe a eu deux répondants en Ligue des Champions et est concentrée sur son Classico. Autant dire qu'une victoire était impérative, sachant que Strasbourg et Konyaspor se rencontraient dans le même temps. En tout cas, c'est bien pour l'OM de gagner un match à moins de 2 jours du Classico contre le PSG, vous venez de le dire. L'OM, qui je le rappelle, a concédé un match nul le week-end dernier en Ligue 1 contre Strasbourg, 3-0. Morbacine, pour ne pas noyer l'Europa League, nous allons rester dans le groupe I pour parler du match qui a opposé Salzbourg à Konyaspor. Salzbourg et a laissé imposer en battant Konyaspor sur la marque de 2-0. Une option qui place aujourd'hui l'équipe autrichienne en tête avec 7 points. C'est une suite logique vu qu'actuellement Salzbourg est bien placé dans son championnat. Ce club occupe la deuxième place du championnat autrichien, contrairement à Konyaspor qui est classé 15e. Championnat turc, la Super League turque. Donc c'est une bonne chose pour Salzbourg de conserver sa place de leader qui garantit actuellement une qualification pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc c'est à Konyaspor et Victoria Guimarães de faire le plein de points lors des prochaines journées si ces équipes-là veulent se qualifier pour le tour suivant. Restons avec les clubs français, toujours pour parler du groupe E, avec Lyon qui poursuit son redressement en allant s'imposer sur la pelouse d'Everton 2-1. Avec cette victoire, l'Olympique lyonnais, occupe la deuxième place avec 5 points, mais on a eu droit, disons-le, à un match très musclé. D'abord, avant de parler de l'acte de Ashley Williams, qui a, à mon avis, agresser Lopez dans ce match. Le comportement irresponsable de ce supporter d'Everton qui a été banni du stade. Donc, on va dire que c'est un Olympique lyonnais qui a retrouvé les couleurs, qui a su corriger ses errements en défense, comme on l'a vu lors de ses dernières sorties. Là, il prenait tout le temps des buts en fait partie. Contre Everton, on a vu une équipe de l'OL qui en voulait. Et ça résulte de cette victoire acquise contre Monaco en championnat, avec un excellent Fekir qui porte, un bon capitaine qui porte l'OL cette saison. Je pense que si l'équipe continue à ce rythme et qu'on corrige les errements en défense, qu'en attaque, qu'on trouve aussi un Memphis Depay en excellente forme, on peut voir cette équipe de l'OL dans les quarts ou bien les demi-finales de l'Europa League.
En tout cas, suite aux incidents qui ont émaillé cette rencontre, Anthony Lopez a réagi de la plus belle des manières en disant, je cite, ça a surtout réveillé le public parce qu'il dormait jusque-là. Je ne pense pas que ça fasse partie de l'ambiance en Angleterre qu'un supporter frappe un joueur adverse, mais c'est comme ça. Fin de citation. En tout cas, notez que dans ce groupe, les Basques d'Atlanta restent leaders. Avec 7 points, ils sont venus à bout d'Apollon en s'imposant sur la marque de 3 buts à 1. Nous allons à présent parler du groupe A, dans lequel le Villarreal reste toujours leader avec 5 points plus 2, malgré son échec à domicile, devant Slavia Prague qui prend la deuxième place avec 5 points plus 1. Et toujours dans ce groupe, Astana a écrasé Maccabi Tel Aviv sur la marque de 4 buts à 0. Ces deux équipes occupent respectivement les deux dernières places. Astana, avec 4 points, occupe la troisième place et Tel Aviv, avec seulement un point, se retrouve en bas du tableau. Dans le groupe H, Arsenal poursuit son sans-faute après 3 journées de Ligue Europa. Les Gunners se sont imposés à Belgrade en remportant 3 points précieux face à l'Étoile Rouge sur la plus petite des marques, 1-0, Morbassine. Vu l'équipe d'Arsenal, l'effectif d'Arsenal, le coach et l'expérience, le rang de l'équipe d'Arsenal en Europe, surtout en Angleterre, à mon avis, ce ne serait pas un exploit de voir Arsenal battre des équipes comme AEK Athènes ou autres, ou bien de battre l'Étoile Rouge de Belgrade. On pensait voir cette équipe En Ligue d'Arsenal des Champions. en Ligue des Champions. Mais si l'Arsenal joue actuellement la Ligue Europa, ça veut dire qu'il y a du travail à faire dans ce club. D'où le slogan des supporters, les Gunners, la saison dernière, Wenger out. Faut pas, à mon avis, est-ce qu'il ne faut pas revoir le management de cette équipe, vu qu'il y a des joueurs de qualité comme Ozil, Giroud, etc. Donc, à quel niveau faut renforcer cette équipe d'Arsenal pour revoir Arsenal en Ligue des Champions, jouer les grands rôles comme il y a 5, 6 saisons où on voyait des demi-finales Arsenal-Barcelone ou bien Arsenal, des finales Arsenal-Barcelone. Donc, pourquoi l'équipe est arrivée à ce stade de la compétition? Donc, on a également vu une équipe des Gunners remaniée avec le retour de Mathieu Debuchy, absent des terrains depuis le 16 novembre 2016. Oh, c'est un joueur de qualité, un joueur qui a de l'expérience. Pour moi, ce n'est pas les joueurs qui manquent à Arsenal. À mon avis, c'est le management des hommes. C'est l'entraîneur peut-être qui a fait son temps. On l'a vu avec Manchester United, avec ce Alex Ferguson. Donc pourquoi pas un entraîneur qui est là depuis 20 ans pour partir pour qu'on puisse apporter du sang neuf dans cette équipe? Cette équipe, à mon avis, si tu es dans un club pendant 20 ans, tu ne deviens plus l'entraîneur, mais tu deviens le papa pour certains joueurs, ou bien le grand-père pour certains joueurs, des joueurs de 18 ans, 23 ans. Si tu as 70 ans, 75 ans, tu es leur grand-père. Donc, est-ce que le message passe entre Wenger et ses joueurs? Tout ça laisse à désirer et à revoir pour redorer le blason de cette équipe. En tout cas, les Gunners ont concrétisé leur domination en fin de match grâce à Olivier Giroud, titulaire. L'international français ponctuait une action collective d'une superbe retournée, une courte victoire qui permet quand même aux Londoniens de faire seul la course en tête dans ce groupe. Dans le groupe D, à présent, le Milan AC a marqué le pas à San Siro devant l'AEK Athènes en faisant match nul, mais le club italien reste toujours leader du groupe avec 7 points. Je dirais la même chose pour le Milan AC, actuellement qui est dixième de la Serie A. Dixième, 12 points, à 12 longueurs de leader, Naples. Donc ça montre les difficultés du Milan AC en championnat, mais aussi dans les coupes européennes. Le Milan a fait un excellent recrutement cette saison, avec un effectif de qualité. Mais aussi au Milan AC, le problème c'est l'entraîneur qui est actuellement sur la sellette. Je pense bien qu'on ne va pas jouer 15 journées en Serie A, que le Milan ne se débarrasse pas de lui. Donc à mon avis, il faut qu'on revoie l'architecture de ces équipes, l'organisation même du Milan AC pour tirer le meilleur profit de son effectif.
Et puis, dans le groupe K, Nice concède sa première défaite européenne face à une Lazio en pleine forme. Ils ont perdu 3-1 face aux Italiens. Nice ne s'est pas remis de son revers en championnat contre Montpellier 2-0. Donc, c'est normal que cette équipe-là sombre à domicile. En plus, la Lazio, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe expérimentée qui a l'expérience de ces compétitions internationales. Donc, si on a une équipe niçoise qui joue à 2 à l'heure contre une Lazio en pleine forme, c'est tout à fait normal, ça paye. Mais pourtant, ils avaient démarré en fanfare en ouvrant le score dès les premières minutes de jeu sur un très beau mouvement initié par, sur la gauche, Christophe Jallet trouvait en retrait Schneider qui centrait du gauche en une touche dans la surface romaine. Mario Balotelli, d'une tête rageuse, faisait mouche. Une joie cependant de très courte durée car ils seront glacés à domicile par une Lazio qui reste sur 3 matchs. 3 victoires dans le groupe K. Mais à présent, nous allons quitter le football européen pour parler de la Ligue des champions d'Afrique avec les demi-finales des matchs retour qui seront disputés ce week-end par 4 équipes du Nord. Wydad Casablanca, USM Alger, Al Ahly et l'étoile sportive du Sahel. Ce que l'on note, Morbassine, c'est l'absence des équipes subsahariennes. Si on s'en tient à ces affiches, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Nord domine, que ces équipes du Nord dominent le football africain? On peut dire que les équipes du Nord dominent le football africain au niveau des clubs. Du l'instant qui sont plus nantis, ces équipes-là mettent les moyens pour recruter les meilleurs éléments dans les équipes, au niveau des équipes sahariennes. On l'a vu chaque saison pratiquement au Sénégal. On perd les meilleurs joueurs sénégalais dans le championnat local. Le Djaraf en est un exemple. Niaritali a perdu l'un de ses meilleurs défenseurs depuis sa création. Asman Daoussi qui évolue au Maroc. Le Djaraf a perdu cette année des joueurs de qualité comme Idriss Seignan qui joue en Tunisie. Donc, si ces équipes maghrébines, entre guillemets, ont les moyens nécessaires pour prendre les meilleurs éléments dans les championnats sénégalais, maliens et autres, c'est à leur bénéfice d'être dans le carré d'as de la Ligue des champions ou encore en Coupe CAF. Parce qu'en Ligue des champions, déjà, on voit Wydad qui est au Maroc, USM Alger, Al Ahly, Égypte et Étoile Sportive, Tunis. Donc, ce sont les 4 pays maghrébins qui sont regroupés en Ligue des champions. Même si au niveau de la Coupe CAF, on voit tout puissant Mazembe et une équipe super sport de l'Afrique du Sud. Mais aussi, il y a encore 2 autres équipes. Oui, nous devons reconnaître que ces équipes maghrébines ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football africain avec des équipes comme le Zamalek, Al Ahly, qui étaient et bien d'autres grosses pointures. Par exemple, dans ces 2 équipes, Al Ahly et le Zamalek, on pouvait voir des équipes, des joueurs qui évoluaient au sein de l'équipe nationale et qui également jouaient dans ces clubs. On l'a vu avec Ahmed Hassan. Si l'Égypte a dominé pendant longtemps le football africain avec ses 7 titres continentaux, c'est parce que l'Égypte avait une base locale. C'est tous ces joueurs qui évoluaient pratiquement en équipe nationale. On peut dire sur les 20 ou bien 23 qui étaient sélectionnés, les 18 étaient évolués en Égypte. Ce qui fait la force de ces équipes tunisiennes. Qui faisait la force de ces équipes tunisiennes et égyptiennes dans le passé. On est encore en train de retrouver cette force-là avec la présence massive de ces équipes dans les compétitions africaines. Et je vous garantis, d'ici en 2019 ou bien en 2021, on verra, ou en 2023, on verra encore des équipes égyptiennes, tunisiennes ou marocaines en finale des coupes africaines ou même en finale de coupe de Cannes. Alors, vous venez de le dire, mais est-ce que cela également n'est pas dû aujourd'hui au fait que les plus brillants dans ces championnats, vous l'avez dit, ils quittent les championnats locaux comme le Sénégal, RDC, la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Il y a également le problème de la professionnalisation qui se pose au niveau de ces clubs.
C'est vrai. Au Sénégal, par exemple, on parle de professionnalisme depuis 2008. Mais dans ce championnat-là, je ne dirais pas un championnat professionnel, mais c'est un championnat semi-professionnel. Un championnat où le joueur le plus payé n'a même pas 250 000. Rares sont les joueurs qui sont payés à hauteur de 200 000 ou bien 400 000 francs. On dit que le salaire de base d'un stagiaire dans ce championnat, ça varie entre 50 ou 80 000 francs. Donc, si ces joueurs-là ont des salaires de 500 000 ou bien 1 million, voire 2 millions en Égypte, Tunisie, Algérie ou bien au Maroc, mais ils ne vont pas rester ici pour galérer et se payer des cacahuètes de gauche à droite ou bien des changes à 500 francs. Ils vont quitter. Il y a également le problème, du manque d'infrastructures qui se pose au niveau de ces pays. Un pays avec, disons, quelques stades opérationnels ne peut pas rivaliser avec des pays comme le Maroc, qui peuvent accueillir de grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde. C'est vrai. Au Sénégal, on en constate, je prends l'exemple toujours du Sénégal, on en constate qui peut accueillir une affiche internationale. C'est le stade Léopold Sédar Senghor. Et on a vu l'état de cette infrastructure. Si un club comme Wydad a ses propres installations, son propre terrain d'entraînement et autres, au Sénégal, on n'a pas ça avec Guédiouaï, ni le Djaraf. Il n'y a que Djambar, Génération Foot, à Dakar Sacré-Cœur, qui ont des installations de qualité. Pendant ce temps-là, si ces joueurs qui sont au Djaraf, Guédiouaï, Ice Pekin, Djambour, voient des clubs leur proposer des contrats en or avec toute une organisation professionnelle, mais ces joueurs-là ne vont pas rester. Ils vont aller migrer vers ces clubs-là. Parce que le football, c'est leur gagne-pain. Ils ont besoin de ça pour vivre et répondre aux attentes de leur famille respective. Je pense que c'est à notre niveau, dans les pays de la sous-région, que ce soit le Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée-Bissau, etc., d'être beaucoup plus professionnel, de se doter d'infrastructures de qualité. Et on ne doit pas tout attendre des États. On misait également sur la formation de la petite catégorie. Ça existe, mais au Sénégal, par exemple. Djambar, Génération Foot. Génération Foot, Djambar le font. Pourquoi pas au Djaraf, Guédiouaï, ou bien à Oroya, ces clubs-là n'essayent pas de mettre des académies de football. Dans 10-15 ans, où pourront sortir des joueurs comme Ahmed Hassan, ou bien des joueurs comme El Hadj Diouf, Drogba et autres. Ça a avec le cas de Génération Foot. On l'a vu, Pape Ndiaye Souaré et Garnegay pour le cas de Djambar. Pape Aliou Ndiaye. On a les moyens de le faire. Ça ne demande pas l'aide de l'État ou quoi que ce soit. Il faut juste avoir une bonne politique. Aller trouver les fonds, les ressources additionnelles pour permettre à ces jeunes-là de vivre de leur passion. Le football. Oui. En tout cas, les équipes subsahariennes ont souvent été championnes. Le TP Mazembe a remporté la Ligue à 3 reprises ces 10 dernières années, 2009, en 2010 et 2015. Et les derniers champions en 2016 sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Nous restons avec la Ligue des champions en Afrique pour parler du Wydad de Casablanca qui opère les tout derniers réglages avant la rencontre décisive, comptant pour les qualifications à la finale de la Ligue des champions africaine. Après un score nul et vierge en déplacement à Alger, les poulains de Houssine Amouta espèrent faire le plein à domicile ce samedi. Alors, pour ce match, les joueurs du Wydad devront rester concentrés jusqu'à la fin et sortir le beau jeu afin d'arracher ce billet qualificatif pour la Ligue des champions africaine. Le sélectionneur du Wydad que je vous propose d'écouter. Les joueurs doivent se concentrer sur tout ce qui est technique, tactique et mental parce que le match n'accepte aucune erreur, donc nous devons prêter attention à certains détails et d'autant plus que nous serons à la maison sur notre stade. Nous serons soutenus par nos fans comme toujours. En même temps, nous devons avoir un courage offensif ainsi qu'une défense solide. Et le dimanche, Al Ahly fera face à l'étoile sportive du Sahel à l'aller. Les Tunisiens s'étaient imposés sur la marque de 2 buts face à l'équipe égyptienne.
Football à présent avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Après avoir battu le Niger en huitième de finale de la Coupe du Monde des cadets de football sur la marque de 2-0, le Ghana retrouve le Mali samedi en quart de finale. Les buts ghanéens ont été inscrits par Aya sur pénalty à la 49e minute et par Danso en toute fin de partie. Mardi, le Mali a obtenu son billet pour les demi-finales en dominant littéralement l'Irak 5-1 avec à la clé un doublé de son attaquant Ndiaye. L'Afrique aura ainsi un représentant en demi-finale avec ce duel. Un mot de boxe dans ce numéro de Sport Time avec la Fédération gabonaise de boxe qui est en campagne de vulgarisation de son programme d'action dans les lycées et collèges de Libreville. Cette étape sera suivie de la mise en place des clubs de boxe affiliés à la Fédération. L'objectif ici étant de familiariser les jeunes avec le noble art. Ismaël Obianze nous fait le point. Rapprocher le noble art des milieux scolaires, tout un programme inscrit cette saison dans l'agenda des activités de la Fédération gabonaise de boxe. Le comité directeur de la FEGABOX amorce donc une tournée de prise de contact avec les responsables d'établissements de Libreville pour expliquer le bien fondé de son initiative articulée en deux phases. Il y a la prise de contact à laquelle vous avez participé pendant tout le long de la petite tournée. Après cette phase, il y a la filiation à la Ligue. Donc c'est les statuts, d'accord, et règlements à établir pour chaque établissement qui projette de créer un club. La pratique des disciplines sportives à l'école nécessite de gros investissements. La FEGABOX se dit prête à soutenir matériellement les lycées et collèges favorables au projet Box Études en gestation. Le challenge est excitant pour l'administration de ce lycée. Nous voulons qu'au lycée Paul Emmané Yégué, le sport refasse surface au haut niveau. Et comme les jeux OXU vont reprendre, il faut que le lycée Paul Emmané Yégué figure parmi les meilleurs établissements. Dans le partenariat qui va être passé entre la Fédération gabonaise de boxe et le lycée Paul Emmané Yégué, nous souhaitons mettre en place, comme dans les autres disciplines, basket, football, handball, athlétisme, nous souhaitons mettre en place, créer un club de boxe. La Fédération gabonaise de boxe entend poursuivre cette campagne de vulgarisation du noble art en milieu scolaire dans l'Interland. Celle-ci sera suivie d'une distribution d'équipements aux clubs affiliés. À présent, parlons de la balle orange avec Gordon Hayward, probablement absent toute la saison. L'une des recrues phares de Boston, victime mardi d'une fracture du tibia gauche lors du match d'entrée de la saison, ne devrait pas jouer en 2017-2018. C'est ce qu'a annoncé son agent. Le jeune ailier a été opéré dans la nuit de mercredi à jeudi et l'opération a été un succès. Mais son agent signale qu'il est peu probable que Hayward fasse son retour sur les parquets cette année. Et toujours au chapitre des blessures, en NBA, le meneur américain d'origine chinoise de Brooklyn, Jeremy Lin, s'est blessé gravement au genou droit et devra attendre la saison 2018-2019 pour rejouer. D'après Brooklyn Nets, Jeremy Lin souffre d'une rupture du tendon rotulien du genou droit, une blessure survenue durant le quatrième carton du match contre Indiana mercredi. Selon son équipe, Lin devrait manquer l'intégralité de la saison, mais de plus amples informations seront données dès qu'elles seront disponibles, ajoute la franchise NBA. Jeremy Lin is down. Goaltending. Lin goes down hard. Mobassignan, cette blessure, un coup dur pour Brooklyn. Pour Brooklyn, mais aussi pour le joueur, Jeremy Lee, qui a préparé l'intersaison, qui voulait être au top cette saison et faire partie des meilleurs joueurs de la Ligue. Il a également signé avec un contrat de plus de 36 millions de dollars. Oui, pour trois saisons, avec un salaire de près de 12 millions de dollars US. C'est un coup dur pour son équipe, mais aussi pour ce joueur, qui est le premier joueur d'origine taïwanaise à jouer en NBA. Donc c'est une grosse perte, non seulement pour Brooklyn, mais aussi pour toute la Ligue. C'est un joueur de talent qui a actuellement
qui tourne avec une moyenne de 14,5 points par match comme meneur. Donc c'est un joueur de calibre qu'on peut dire, c'est pas comparable avec Irving ou bien encore les joueurs de Golden State. Donc on peut espérer avec la magie de la médecine le revoir pour très très bientôt. En tout cas, on l'espère. Merci Morbar Signa d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été sur ce plateau de Sporttime avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci Morbar Signa. Merci Pamcher, le plaisir pour moi d'avoir été là pour MediTV, qui est, bon, à mon avis, je découvre la chaîne, mais c'est une chaîne de qualité. J'encourage tout le monde. Merci. Félicitations à vous. Merci, merci Morbar Signa. Et nous parlons Formule 1 à présent avec le Grand Prix des États-Unis. Le Britannique Hamilton fonce vers une quatrième couronne mondiale grâce à son festival en Asie et au déco venu à répétition de Sébastien Vettel. Lewis Hamilton peut décrocher son quatrième titre de champion du monde de Formule 1 sur le continent américain dans les prochains samedis, voire dès dimanche prochain, lors des Grands Prix des États-Unis, avec 59 points d'avance sur l'Allemand Vettel à 4 courses du terme, notamment États-Unis, Mexique, Brésil, Abu Dhabi, soit au maximum de 100 points à empocher. Il fonce vers un quatrième sacre mondial après 2008, 2014 et 2015. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Sporttime. Merci de l'avoir suivi sur Média TV Afrique. Merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Média TV.